bien, salut tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour la sous aventure sur Octopath Traveler. Donc on s'intéressait ici à... du coup acheter... Hop. Alors, des herbes de lumière, nulle altération de cécité... Hein? Ah, faut tout acheter en fait. Revenez quand vous voulez. J'ai le flair, ouais, bonne ça fait. C'est vraiment ce que tu veux. Yeah. Ça, je comprends pas, c'est qu'on peut pas acheter sans passer par ça en fait. N'hésitez pas à revenir. Je vais faire pour bonne affaire. Hein? Je peux pas tout avoir. À quoi pourrait bien te servir de livret de nuit? Ces pauvres pirates doivent être épuisés après tous ces pillages. Donc je me disais que je pourrais les aider à se détendre en glissant cette herbe dans leur vin. Je vois que tu es plus un tout dans ton sac. Eh bien file et fais attention à toi, petiote. Et au fait, Captain, pourquoi est-ce que vous m'aidez? Parce que mes yeux me le dictent. Étant toi aussi une marchande, tu comprends certainement. Nous évoluons tous tout avec nos yeux, et les miens me disent que tu n'as rien d'une jeune fille ordinaire. Hé, je vois. Merci, Capitaine. On devrait le faire. Il ne me reste plus qu'à faire ma livraison spéciale. Et voilà pourquoi je me rends au repère des pirates. C'est vrai? Vous allez m'aider? Je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez le cœur sur la main. Et il me reste plus qu'à mettre un peu d'ivraie de nuit dans leur vin. Quand ils seront endormis, je leur reprendrai toute la marchandise volée. Yeah! It's pinoté! Oh, on est 4, c'est cool, c'est cool, c'est cool! On a enfin un groupe complet! Hop, on va se regarder ici. Alors, eh bah du coup, ça va être farming et peanut time, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est l'heure de farmer. Encore et toujours farmer. Parce que c'est le but des RPG. Ah, c'est bizarre d'avoir 4 personnes maintenant. On va attaquer par surprise, c'est pas grave, je sais maintenant leur point faible. Aïe. Hé hey. Oula. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle a une lance. À titre de marchand, collecte, vol un ennemi. Ah, c'est ça! C'est une attaque de vent, d'accord! Bim, one shot! Problème, bitch! Oh, Kamehameha! Tiens. Il a rigolé quand je lui tapais le mauvais, à mon avis. Waouh, 100. Putain, il prend. Bon, pis. Voilà. Oh, elle a gagné 2 balles d'un coup, quoi. Truc de ouf! Truc de ouf! Alors, ce qu'on a ici? Du raisin curatif. On a plus besoin, on a une mileuse en gros.
ici, ouais. Alors... Ah, elle joue à l'arc aussi! Nice! Bon, tant qu'à faire, de toute façon... C'est quand même du bien de les tuer. Il m'a rigolé au nez le mob. Il a fait ah. Ta pète va. Tu veux vraiment jouer à sa petite merde. Wow. J'ai plus de PT. Ah, fait chier. Va falloir restaurer. Ah, remarque, il aura peut-être pas besoin de se restaurer. Pas loin du level up là. Et là-bas, non. Ça sert à rien, je sais. Je vais me débander. Bon, je sais pas si ça va toucher, mais bon. Oh bah pfff. Peut-être moi je la capture un là. Quick. Alors capture. Alors, ça va marcher ça, ça c'est un ancien. Bon, on va prendre l'archer du coup. Et voilà, easy. Yeah, encore du level ping. Dis donc, manque beaucoup d'XP pour pouvoir avancer là. Bon, je pense qu'on va faire monter niveau 7 grand max et après on va attaquer. Ah, le dépop de l'infini. Ah, ce dépopping. Allez. Ah, presque. C'est quand même dommage que le fond est flouté, quoi. J'aurais bien aimé qu'il ne le soit pas. Et pas me dire que la Switch n'est pas capable d'afficher ça décor pareil. Je sais pas, je trouve ça quand même dommage qu'il y ait un tel flou en vrai. Hey, tu sais quoi? Salut! Ouais, il est pas mort. Merde. Hey, merde! Bon, c'est pas grave. Voilà, faible. Tu vas mourir. Si. Hmm.
Abunaï, abunaï. Et voilà, même pas besoin de balancer d'huile. Ophelia, level up. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Ah, un autre objectif. Ça, du gyo no jikan da. Ah, dans ce lait. Bim bim! Je te pique les fesses. Préparez-vous à mourir dans une tempête de feu! Pouh! Instant des pop! Avoir un magicien, ça troue le cul! Alors, qu'est-ce que j'ai loupé là-bas? Il me semble que j'ai loupé quelque chose. Il y a plein de petits chemins sur la gauche. Ah non, il y a. Hop, déjà en faible. Ah. Ça fait. Ah non, j'ai plus de feu. Oh non. Merde. Ah tant pis, hein. Hop, au style. Ouh, on va le payer cher ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Et hop. Est-ce que j'ai une bête avec une épée? Non, j'en ai plus. S'il te plaît. Oui. C'est l'heure du dépop. Hop, bim. Et voilà. Je serais bien tenté d'aller faire le truc maintenant, mais bon. Est-ce qu'il risquerait pas d'être plus un handicap qu'autre chose à ce level? Très très bonne question, allons voir les aptitudes. Alors, repos, régénère les PT du personnage, guérit également les altérations d'état. Craqué. Donne un peu. Ah, quoique un point d'exaltation. Putain. Oh, 500. Laisse tomber. C'est quoi cette aptitude de soutien par contre? 4 aptitudes de soutien à la fois. Rallonge d'un tour les durées des effets bénéfiques reçus sur le personnage. Attribue à n'importe quel membre du groupe cette aptitude, augmente les chances d'attaquer en premier. Attribue à n'importe quel membre du groupe cette aptitude réduit à moitié de fréquence et combat aléatoire. Ah non 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 non, vire 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 vire. Comment le vire? Eh pas. Bon, allez, on va les soigner, soins. Ah mais je savais même pas qu'on pouvait soigner. Inventaire, il faut des pétés. Voilà, bon. Allez, dernière sauvegarde et on y va. Hein. On va aller mourir. Allez. Oh non. Oui, matelot. Quoi, pas le sang bleu? Encore toi, tu cherches des embrouilles, morveuse. Non, monsieur, je viens vous présenter des excuses de la part de notre ville. On aurait dû savoir qu'on n'avait aucune chance contre des boucaniers de votre stature.
Tenez, c'est pour vous, j'espère que vous voudrez bien nous pardonner. Du vin! Ça va faire plaisir au capitaine, ça. Hé à la vôtre. Hé hé, ces misérables mollusques ont même pas essayé de nous résister. Sûrement qu'ils savaient pas se battre, hein, ce ramassis de barnaches. Y'a pas l'air de voir passer beaucoup de pirates. Les forts saisissent et les faibles frémissent. C'est comme ça dans ce bas monde. Le mot d'ordre des pirates, de la part du capitaine Léon Bastra, le fléau des mers. Ouais, on lui a emboîté le pas et on n'a jamais eu le moindre regret. Y'a pas à dire, c'est la belle vie quand on peut prendre tout ce qu'on veut. Capitaine, capitaine! Je t'ai dit qu'il n'y a pas de place pour deux capitaines parmi nous. Ouais, et moi je t'ai dit que t'es mon second. Il va encore se battre. Arrêtez de vous chicaner, capitaine. Il y a quelqu'un qui nous a apporté du vin. Du vin? Du vin! Et cette gamine là, paraît que la ville veut se faire pardonner. Au moins ces mollusques en ont dans le chiboulot, hein. Ou alors c'est qu'ils ont rien dans le ventre. Ah ah ah. Yes. Trinquons barnache. Ouais, bande d'idiots. Aux mollusques à foie jaune de rat de remous. Kampai. Ça devrait être bon, allons voir. On va peut-être pas se retaper la cinématique, hein. Dommage. Ouais, dans tous les cas, il y en a un qui est encore éveillé, je suis sûr. Ah, même pas. A repéré 200... What? Un vrai jeu d'enfant. Ah, ça leur apprendra à me sous-estimer. C'est pas moi de les réveiller pour les voler. Hein? Ok. Attendez un instant. Faut que je vérifie un truc. Ah merde! Initiation, écran titre, non. Ah, je crois qu'on peut pas. Ah si, formation. Y. Non, j'ai dit Y. Si je mettrais ça en first, est-ce qu'elle peut dépouiller les gens? Alors, là, ça va. Ouais, non. Dommage. Oh, t'es cool. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh! Un nouveau monstre! Mais qui est super faible, 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 faible. On va lui faire sa peau! Absolument pas. Génial. Oh, et plus merde. Fait quand même des dégâts, donc. Oh non, hop. Ça c'est pas grave. Ah, génial. Elle a eu. Alors, connaissance de bête. Qui veut prendre un homme lézard?
Oh bah ils sont faits tous les deux des pop. Oh c'est presque le level up là. Merde. Un trésor. Yeah. Bon, on va. On va de ce côté. Hein? Ça, du gyo no jikan da. Tum, 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 tum. Ikimashou. Bon, je suppose que t'es absolument pas sensible au bâton, toi. Ouais, je m'en doutais à fond. Quand tu vas être forcément sensible à ça. Kakatte koi. Allez, c'est l'heure du feu. Wow, allez, il manque un point à Cyrus, quoi. Un point. Bon, par contre, faut aller où? Parce que là, je vois absolument pas. Il y avait un truc pour monter quelque part. What? Ah, par là. Je vais voir un peu quand même. On peut pas les flinguer comme ça. Allez, un nouveau point faible. Ah, la glace. Tout ce que j'aime pas. Voilà, c'est fait. A tout hasard, serais-tu sensible à la lumière? Absolument pas. C'est sensible à l'arc. Il est sensible à l'arc. Domination. Et c'est le level up. Oh Ah, je savais. T'es obligé. Oh là, par contre, on va se faire agresser en boucle jusqu'à ce qu'on y arrive. Est-ce que Cyrus est encore... Ah ouais, Cyrus, ça, c'est ça. Vraiment. Allez, cramé. Et vas-y. Encore une domination totale. Alors, est-ce qu'on peut monter par là? Là, il y a pas de sauvegarde. Malheureusement, on va passer par là parce que j'ai vu qu'il y avait un coffre. Ah, je sais. J'ai encore assez avec Cyrus. Ikimashou. Ikimashou. Je vais faire. Jamais. Hein. Et salut. Des pop, ils sont faits. Des pop. Tu vois, c'est cool, on gagne plus d'argent maintenant quand tu les mobs. Avant c'était genre 50 pièces, maintenant c'est 130 si j'ai bien vu. Bonjour monsieur. Non, là je pense. Ah! Lol, ils dorment. C'est une blague là, ils dorment. Est-ce que vous êtes sensible au feu? Bon, il y en avait un, ouais. Absolument rien. Absolument rien. Pouh!
putain. Je suis sur les sensibles. Ah, oh, j'ai plus rien. Bon, c'est un... Oh, c'est un arc, sérieux. Easy, oh, je suis trop fort. En même temps, c'est trop simple. Bon, on fait une petite sauvegarde. Alors, soin. Pas besoin de soin supérieur, ça devrait suffire. Yes. On va juste acheter des... J'adore comment ce mec est toujours partout, quoi. Ah, quoi, je suis remonté à 6000, là. Je suis quand même remonté à 6000, hein. Allez, on y va. Ah, lui, on se fait agresser juste pour les escaliers, quoi. Aragoto a ski de wanai no da. Nerai utsu. Hop. Sate, dou shiyou ka. Ouais, les gars, donc je m'en branle. Vas-y. Ah non non, ça va, c'est bien. Bon, allez, on y va. Ça, tous les coups, ils vont se réveiller, vous allez voir. J'espère qu'il y a des trésors dans vos rêves. Parce que vous n'en trouverez plus ici quand vous vous réveillerez. Je le savais. Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Eh bien, je viens juste récupérer le fût. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Oh. Parbleu, c'est drôlement aimable, ça. Nak, espèce de tiroflan, réveille-toi, on a une intruse. Oh. Hey, je te reconnais, toi, t'es la gamine qu'on a vue en ville. Oh, j'ai pigé. T'es venu piquer notre butin pendant qu'on roupillait, c'est ça? On ne peut rien vous cacher. T'as du cran, des portions, mais il en faut plus pour ça que ça pour aller loin dans la vie. On pardonne pas à ceux qui essaient de nous barboter notre butin bien mérité. Aïe aïe aïe. Bien mérité, vous avez tout volé. Et ouais, ce qui veut dire que c'est à nous maintenant. Attendez un instant. Vous ne savez même pas ce que le mot mérité veut dire. Vous ne voyez pas le dévouement et l'application nécessaire à la fabrication de ces produits. Vous n'imaginez pas les efforts que ces gens doivent fournir pour mériter la satisfaction de leurs clients. C'est aux marchands comme moi de veiller à ce que ces produits finissent entre les mains de ceux qui les apprécient à leur juste valeur. Alors, sur mon honneur de marchande, je jure de reprendre ces marchandises. T'as les mon indo. Tu vas nourrir les poissons, morveuse. T'attends pas à ce qu'on prenne des gants. Ce monde est cruel et on va t'en donner la preuve. Oh la gueule! Ok, donc on a un qui est sensible au feu et un qui est sensible à la hache. Ok. Oh! Ok, donc plus sensible au pic.
Et toi? Absolument pas, ok. Putain. Analyse. À quoi t'es sensible, toi? Oh! Il avait su! Non, mais il est sensible au feu, donc je m'en branle. Il y en a un qui doit être sensible au vent à tous les coups. Ça doit être lui. Je le savais. Bon, tant pis. Gambarimasu. On va se réveiller. Dou umoku? Je suis prêt à parier que lui est sensible à l'arc. Ouais, je le savais. Ouais, tu sais, sort. Bon, analysons. La foudre, nice. Ikimashou. On va faire un petit soin. Kizu o yashitamai. J'adore parce que Anit a quand même 666 points de vie. Hein. On le dira pas, mais. Un petit peu sataniste, hein, là. Tiens, d'ailleurs. Parce que je devrais chercher la faiblesse plutôt que de me chercher à ça en fait. Ah bon, toi vu que t'as plus rien, embêté, faut te rendre. Bon. Monsieur le sensible là, je prendrais bien. Oh! J'aurais préféré que ça touche une seule personne, perso. Chiat. Hop! Voilà, ça en fait déjà deux. Voilà. Et voilà. Qui va se réveiller en premier. Qu'est-ce qu'il a fait, ce con? J'ai pas le temps de voir. Chiotte. Alors que ça défense. Niveau connaissance des bêtes, qu'est-ce que j'ai? Aïe, aïe, aïe. Double frappe. Vas-y, on va essayer. Ouh, pas mal. Ça, il prend rien, c'est un truc de fou. Ah.
私の番。Tiens, Cyrus. Tiens, Cyrus. Allez, Cyrus, mets le feu. Tiens, bim. Sate, dosh. Sate, dosh. Putain, il meurt encore, Mick, là, sérieux. Ah non, je vais prendre juste un objet. Non, qu'est con. Putain. Ah là, il est en faille lui, donc il est un merde. Allez, meurs, bordel de cul! Meurs, putain! Il a pas envie de mourir, cet enfoiré. Il a pas envie de mourir, pas grave. Moi j'ai plus de feu. Mais c'est sérieux, il est pas encore mort! Mais dans quel univers tu meurs pas? Sérieux! Ah non, il se réveille, ce con. Mon pote veille sur moi. Hein? T'es sûr qu'il veille sur toi? Dans quelques instants, tu vas y passer. Hein? Non, mais c'est pas lui que je visais! Putain! C'est pas lui que je visais, bordel de cul! Tiens, ton pote, il met plus sur toi. Mais non, mais. Mais putain, c'est pas lui que je visais! Bon, c'est pas grave, y'en a un moins. C'est pas lui que je visais, bordel! Kakattekoi! Tu vas faire quoi maintenant, petite merde? Hein? Hein? Je peux plus rien faire, hein? D'ailleurs, comment ça? C'est quoi son deuxième console? Sérieux? Tiens, mange! Petit con. Allez hop, par-dessus bord, what? What? Objet. Allez, boum! Bim! 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 Oh? Même pas. Bon. De bête, tu vas forcément avoir un archer. Et voilà, easy. Oh, ce leveling. Yeah. Maintenant, donnez-moi ces marchandises. Tu t'accroches encore pire qu'une barnache. Mais t'as rien vu encore. Matelot!
Aïe, vous allez voir que le capitaine va débarquer. C'est pas bien malin d'être venu nous provoquer toute seule. Bah non, on était quatre. Dans ce bas monde, les forces saisissent et les faibles frémissent. On va te remettre à ta place, gamine, sale petite anguille. Ça suffit. Je le savais. Ceux qui s'en prennent aux gens faibles et sans défense n'ont pas le droit de parler des principes de ce monde. Tiens, et c'est pas le marin d'eau douce de tout à l'heure. Un de plus soit de moi, c'est toujours du menu fretin, pas de quartier. Ah, il nous a blessé, il nous a passé à tabac, c'est qui ce bougre? Un pirate digne de ce nom n'aurait pas besoin de poser la question. Nani? Cette lance bleue. Fort et vif comme une vipère. Me dis pas que c'est... le capitaine Léon Bastral. Quoi? Capitaine, vous êtes vraiment le Léon Bastral? C'est mon nom, oui, mais ma carrière de pirate est révolue. Je ne suis plus que le capitaine d'un modeste navire marchand. Yes. Voici un autre précepte à retenir de la part d'un vrai loup de mer. Les morts ne racontent pas d'histoire. Je suis pas prêt à quitter ce monde. Allez, Atlon, on lève l'ancre avant que ça finisse en queue de poisson. Hé, ils sont aussi prompts à fuir que l'an d'esprit. Capitaine? Appelle-moi Léon, Petchot. Monsieur Léon, merci de m'avoir sauvé. Je pense qu'une bonne action en appelle une autre. As-tu récupéré toutes les marchandises? Oui, il ne me reste plus qu'à les rendre à leur propriétaire. Parfait, tu peux rentrer chez toi à tête haute en sachant que ton honneur de marchand n'a fait que grandir. Je dois retourner au quai. Il est bientôt temps de reprendre la mer. Vous repartez déjà? Je dois répondre à l'appel de l'océan, Petchot. Mais d'abord... Passe donc me voir sur mon navire, veux-tu? Qu'attends-tu, Petchot? C'est juste que vous avez dit que vous ne laissiez que les gens de confiance monter à bord. Eh bien, monte alors. Georgia. Tu as fait preuve d'un grand courage pour tenir tête à ces pirates. Je pense que cette bravoure mérite une récompense. Une récompense? J'ai amassé d'innombrables trésors lors de mes voyages aux quatre coins du monde. Ce sont mes biens les plus chers. Et je te permets de prendre celui qui te plaît le plus. C'est vrai? Je ne pourrai jamais vous prendre quelque chose d'aussi précieux. Je te le propose volontiers. À moins que les trésors ne t'intéressent pas. Dit comme ça, je ne peux pas refuser. Ah, je préfère ça. J'ai toujours su que le monde était rempli de trésors. Mais je n'aurais jamais cru voir de telles merveilles. Il est magnifique. Oh, excellent choix. Qu'est-ce qui te plaît dans ce tableau, Petchot? Je ne sais pas vraiment. De tous les trésors incroyables que vous avez ici, celui-ci... il me parle. C'est comme si je voyais l'âme de l'artiste. Je ressens ses émotions, tout ce qu'il a vécu.
Il s'intitule L'amour inoublié. C'est une œuvre de Bastian, un célèbre peintre d'une contrée occidentale. C'était un grand coureur de jupons qui s'est marié 4 fois. Pourtant, il n'a jamais pu oublier son premier amour, qu'il a perdu dans des circonstances tragiques, à l'âge tendre de 13 ans. Ce tableau est l'œuvre de sa vie. Il a travaillé dessus jusqu'à la fin de sa carrière pour peindre la beauté qu'elle serait devenue si elle avait atteint l'âge d'adulte. De nos jours, c'est une des œuvres d'art les plus célèbres du monde. Ça alors, je n'en savais rien. Monsieur Léon, vous voulez bien me laisser un peu plus de temps pour choisir ? Reste-t-il tant qu'il te plaira, petit. Cette jeune fille est une marchande dans l'âme, je le vois dans ses yeux. Elle n'avait jamais entendu parler de Bastian, mais a tout de suite su qu'elle tenait un chef-d'œuvre entre ses mains. Je pensais avoir fait escale dans une ville côtière des plus rébarbatives, mais cette gamine... J'ai bien l'impression d'avoir trouvé un diamant parmi les pierres. Vous avez dit quelque chose ? J'ai trouvé ! Vous voulez bien que je le prenne, monsieur Léon ? C'est quoi ? Fais-moi voir. J'ai bien peur que ce vieux journal n'ait pas de grande valeur. Un homme que j'avais accueilli à bord quand j'étais encore pirate l'a laissé sur mon navire. J'ai dû oublier de le jeter et il s'est retrouvé mêlé à mes trésors. Georgia. Tu ferais mieux de choisir autre chose, Petiot. Non, c'est bien ce que je veux. C'est difficile à expliquer, mais... J'ai l'impression qu'il m'appelle. Et qui j'en ai ? Oui, eh bien il est à toi. Merci, monsieur Léon. Bon vent, petit. Un jour peut-être. Un jour peut-être nous nous reverrons en tant que rivaux. Mais tu ne me battras pas, je le jure sur mon honneur de marchand. Ouais, levez l'ancre, matelot, l'autre sort nous appelle. この式には運命を変える何かがあるって。帰ってじっくり読んでみよう。A repéré quoi ? Quel malchanceux a perdu, mais comment ? Comment on fait pour voir les trucs ? Parce que je comprends pas trop. Là. Bon, de toute façon, on va s'arrêter ici. Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la oui attitude. Comme d'habitude, je suis pour le cul. Vous connaissez la chanson, vous savez ce que ça dicton. Je vous laisse. Je vous fais plein de trucs partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, ciao, bye, bouti bouti. Que l'amour du PDB soit avec vous. Peace.